Oui, il faut vous expliquer un peu, il faut plutôt que je m'explique euh, comment est-ce que j'ai choisi l'anthropologie. D'abord, je n'ai pas choisi l'anthropologie, c'est l'anthropologie qui m'a choisie. Et au départ, moi, je voulais faire de la préhistoire. Je voulais, j'aime les pierres. Et euh, j'ai toujours été fascinée par la géologie, peut-être ça qui me rapproche de lévi parce que <laughs> bon, j'en discutais avec lévi -Strauss. Et, euh, et donc euh, bon la géologie c'est pas un métier tellement féminin donc euh, je m'étais dit euh, et puis j'avais fait de la préhistoire euh, quand j'étais euh, euh, en sixième à l'école ça m'avait beaucoup plu et donc quand j'ai euh, fait mes <coughs> j'ai voulu euh, devenir euh, faire ce, ce choix de, de l'anthropologie enfin, ou tout au moins la préhistoire était comprise dans l'anthropologie, dans, la, dans, dans la, le certificat d'ethnologie, de, tout était confondu. Sociologie, anthropologie, préhistoire, tout ça, ça ne faisait qu'un euh, à l'époque. Et euh, en Sorbonne, il y avait, c'était Griot le balandier qui faisait, euh, euh, Mercier qui faisait les cours et euh, pour euh, ensuite se perfectionner, on suivait le CFRE, c'est-à-dire le Centre de Formation à la Recherche Technologique, qui avait été fondé par euh, euh, le roi Gourand et, et Rivet en, en 1945 à, après la guerre au Musée de l'Homme. Et donc quand, quand j'ai décidé de, de, de faire, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je, je travaillais, j'avais donc été euh, aussi dans, 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 dans un centre, mais surtout, c'était quand même la préhistoire. Et donc, euh, quand j'ai eu fini de faire mon certificat d'ethnologie, je suis allée voir le roi Gouran, puis je dis dit, j'aimerais bien faire de la préhistoire. Et encore une fois, il m'a regardée, mais décidément, je me dis, il ne faut pas que j'ai la tête que j'ai, parce que <laughs> Et le roi Gouran m'a répondu, mais vous êtes trop blonde pour faire de l'histoire. Encore une fois. Euh, Faites donc de, de l'ethnologie, parce que la préhistoire, c'est fait pour les hommes. Donc, euh, ça, ça m'étonne, parce qu'il y avait quand même Hélène Balfek qui faisait de l'histoire à l'époque. Bon, je, mais j'avais été. Euh, donc, c'est comme ça que je n'ai pas fait de préhistoire et que euh, j'ai décidé de, de partir faire ma thèse euh, au Sénégal euh, euh, avec Mercier pour. Euh, pour faire ce travail. Et, et, mais voilà comment. Je n'ai pas choisi en quelque sorte de, de, de faire de l'anthropologie, je voulais faire de la préhistoire. Mais bon, c'était encore pas un métier féminin sans doute. Donc encore une fois, c'est peut-être cette, cette problématique qui m'a poursuivie et qui euh, est sans doute une des. Des, des, des façons de, que j'ai eues de, de choisir des objets d'études de, et, et de travailler. Et donc après euh, j ai, j ai, que j'ai eu, eu fait ce terrain de, de, de thèse, on continuait à se, à se perfectionner. Euh, on allait dans les séminaires, et les, les séminaires de l'école pratique des hautes études, dont le séminaire de lévi -Strauss. Et dans ce séminaire et aussi dans les, euh, au CFRE et dans les, euh, les cours aussi qu'on avait eu à, à la Sorbonne, euh, on avait formé un groupe et tout un groupe de, de, de jeunes chercheurs. Il y avait Françoise Héritier, Michel Isard, schmidt euh, Schmitt, etc. Donc on était euh, cette, euh, ce groupe et euh, c'est comme ça que... Euh, Michel Isard euh, m'a dit, bah, puisque tu cherches du travail, je voulais quitter ce centre international de l'enfance qui était un, une sorte de, 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 de lieu international pour euh, uniquement de médecine, de mé, médecins, et pas du tout de, de chercheurs, an, de, de, même pas de sociologues, ni, ni, ni de sciences sociales. Donc je voulais quitter cet endroit, et il m'a dit, bien bah, écoute, il y a une place si tu veux éventuellement... Euh, tu peux euh, voir qui va, ou, qui était à ce moment-là le sous-directeur du, du laboratoire et qui venait de, de, de faire entrer au laboratoire la revue Études rurales. Et sur la recommandation de Michel Isarche, je suis allé voir et, qui va et euh, qui m'a engagée comme vacataire à l'École des hautes études en sciences sociales. C'était encore à l'école, à l'époque, l'école pratique des hautes études, et qui m'a engagée pour travailler sur la revue Études rurales, où j'ai travaillé pendant des années, où je suis restée au, au sein du, du, euh, du comité de rédaction, mais j'ai quitté euh, très vite le, le, le secrétariat de rédaction euh, après euh, quelques années. Mais c'est quand même dans la, au sein de cette revue. Que j'ai commencé euh, d'abord à travailler sur Minot, et euh, c'est comme ça qu'on euh, qu a publié les premiers textes, ont été publiés dans Études Rurales, de, après dans L'Homme, parce que L'Homme a fini par accepter des, des travaux qui parlaient de la France. Mais euh, c'est quand même comme ça que, que euh, la revue Études Rurales, qui était au laboratoire, il y avait deux revues au laboratoire, L'Homme et Études Rurales. Euh, L'Homme, fondée par Lévi-Strauss, bien sûr, Benveniste et, et, et Gourou, Et puis, euh, la revue études rurales que Brodel avait demandé à Kiva de, de fonder euh, sur l'Europe, les, 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 en quelque sorte, sur les études des sciences humaines, sur les sociétés européennes. Et quand Kiva est, est venu à la demande de Lévi-Strauss, qui montre bien que Lévi-Strauss a toujours eu euh, une sorte de fin, disons de, de respect, d'une part, certainement plus que de respect. De, en tous les cas, il n'a jamais fait de différence entre les sociétés exotiques et les sociétés européennes. Mais euh, il fallait travailler sur les sociétés européennes comme si on travaillait sur les sociétés exotiques. C'était ça, toute la différence. Mais Lévi-Strauss, c'est lui qui a euh, enclenché la recherche sur Nouville, qui est une des premières monographies qui a eu lieu euh, après la, la, la guerre en 1960, il a engagé Lucien Bernot pour faire euh, Nouville, un village français, et euh, que d'ailleurs j'ai republié euh, il y a euh, quelques années. Non, il n'est pas là. <laughs> Mais avec une, à ce moment-là, Les strauss a fait une post-faste encore pour dire comment, effectivement, ils avaient décidé de faire travailler euh, un anthropologue bernot qui est devenu ensuite spécialiste des sociétés de l'asie du, du sud-est, etc. mais son premier travail à bernot, c'était nouville, un village français, où il a montré d'une façon tout à fait euh, étonnante comment dans cette société eh bien, on vivait encore euh, au temps de, de la révolution française. parce que pourquoi? parce que sous la Révolution française, à, à, à Nouville, les, les, les terres des aristocrates ont été vendues comme bien national et beaucoup de paysans de Nouville avaient acheté ces terres et ils vivaient depuis cette date-là du retour des aristocrates dans cette société. Donc vous voyez le, le, le poids de l'histoire dans, 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 dans ce village de Picardie, puisque c'est un village de Picardie. Euh, qui, euh, dans les années 60, était encore présent et qui a permis à Berneau, donc de faire cette monographie qui, à l'époque, est passée complètement inaperçue, en quelque sorte, et euh, qui bon, a été republiée il, <coughs> il, il y a quelques décennies aussi, mais euh, bon, qui, effectivement, n'intéressait pas euh, grand monde. Euh, c les anthropologues, c'était des exotisants où ce qui, ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer peut-être que quand on, quand on a commencé justement à, à travailler sur la France ou sur les choses, sur, sur ces, ces objets d'études euh, des sociétés proches de nous, eh bien nos travaux n'ont d'ailleurs pas tellement été pris en compte. Et, euh, et surtout, ils ont été, comment dirais-je, euh, s'ils ont été un peu pris en compte par, euh, non pas tellement par nos collègues à ce moment-là, mais par euh, la société civile, donc les médias, qui ont fait des comptes rendus de nos ouvrages en montrant qu'au fond, on avait traité les paysans français comme des sauvages. D'où, euh, par exemple, des, des intitulés de, de journaux sur euh, euh, notre livre sur euh, euh, sur c'était les Indiens de Bourgogne, ou bien des bon, Jeanne Favre, c'était la sorcière du CNRS. Enfin, bon, vous voyez comment euh, des sorcières travaillent sur d'autres sorcières, mais ça pouvait pas être sérieux, si vous voulez. Et pourtant, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'à la même époque, euh, les, les, les historiens faisaient paraître, euh, ou, ou des, des érudits locaux faisaient paraître des livres dans Terre humaine, euh, Jacques Elias, Le, le cheval d'orgueil, ou bien euh, Duby ou Le roi Ladurie sur, euh, euh, sur les paysans du, du Languedoc. Mais c'était autrefois. Donc eux, ils avaient droit aux honneurs parce que. Bien sûr, c'était les paysans d'autrefois, c'est plus comme ça. Nous, on travaille, travaillait aujourd'hui et on avait traité les paysans comme si c'était, euh, en fin de compte, des sauvages. Et ça, vous pensez bien que quand nos interlocuteurs de terrain ont lu ces comptes-rendus de, de journaux, ou ont vu les, les médias... Euh, venir euh, dans le village et les, euh, et, les, et, et les traiter en quelque sorte comme des bêtes un peu, un peu euh, curieuses, euh, ça a été très mal pris et, et on a eu beaucoup de difficultés à, après, euh, à, à Minot par exemple. Bon, D'abord, on a eu un procès parce que, alors que ils ont révélé les noms alors que nous on avait anonymisé tous les noms des personnes bien sûr dans nos travaux, mais euh, vous savez que Yvonne avait euh, travaillé sur les trois grandes figures qui organisaient la vie, euh, la vie sociale de euh, Minot. c'était la laveuse, la couturière et, et la cuisinière, et chacune de ces de ces grandes figures qui président en quelque sorte à, aux grandes étapes de la vie euh, civile et sociale de l'individu, eh bien elles étaient caractérisées par euh, Yvonne par une qualité euh, la couturière elle était légère la, la sage-femme elle buvait et la cuisinière elle volait mais c'était, vous voyez, des, des choses très génériques, des, des, et c'était des façons dont elle avait. Euh, et surtout, elle avait changé tous les noms. Et pas. Mais euh, un journal euh, et un journaliste de ce journal, qui s'appelait. Euh, bon, je ne vais pas dire son nom parce que ce <laughs> n'est pas la peine, euh, est venu dans le village. Et les autres femmes, la, la couturière était morte, la cuisinière, la, la, la sage-femme aussi, il ne restait que la cuisinière encore. Et elle a écrit, avec, mettant le nom de cette femme dans le journal, dans son journal, euh, que voilà, Madame, en mettant le, le vrai nom de cette dame, elle, Yvonne Verdier, dans son livre, dit qu'elle vole. D'où cette cuisinière nous a, a fait un procès. Et elle a gagné d'ailleurs non pas elle a gagné sur le journal non pas sur les anthropologues parce qu'elle avait dit la journaliste disait après tout moi j'ai rien dit moi je ne fais que citer que les anthropologues mais le tribunal a bien compris que les anthropologues ils avaient pris leurs précautions qu'ils avaient changé le nom des gens et que jamais on avait cité et, euh, ni cité euh, véritablement ces gens-là et que c'était une façon générique de les Caractérisés, euh, qui était exactement comme on dit que les Normands euh, sont euh, sont ou que les, les Bretons sont euh, euh, des bêtes enfin bon, euh, des très, très euh, têtues etc Vous voyez chaque chaque région a, a, a sa a sa caractéristique dans nos dans nos dans nos pays et eh bien ces grandes figures qui aussi c'est elles étaient caractérisées, mais ça n'avait rien ni de péjoratif ni de méchant. Donc nous, on avait bien mis les choses comme ça, mais la journaliste l'avait pris autrement. Et, euh, mais ça a fait qu'effectivement, en fin de compte, Amino nous a dit, au fond, si vous n'aviez rien écrit, eh bien rien ne se serait passé. Donc on n'est jamais retourné à Amino. Donc vous voyez que c'est la restitution de nos travaux. Lorsqu'on travaille près de chez soi, dans la même langue que vos interlocuteurs, pose problème. Et j'ai eu les mêmes problèmes quand j'ai travaillé à La Hague. La même façon dont, effectivement, je, de, où il y a eu des films qui ont été tirés de, de, de mon livre qui a été fait, La, la, la presqu'île au nucléaire, où j'ai pu. Euh, montrer comment euh, euh, dans, dans, dans cette usine on, on va vivre avec le risque, mais on va faire une différence au travers la, la, le vocabulaire entre la contamination et l'irradiation. Ben, on est contaminé euh, par, les, euh, par les poussières. Et qui vont se coller sur votre peau, et on ne voit rien de tout ça. Enfin, tout ça est, est du nu des, des rayonnements, enfin des, des produits nucléaires qu'on qu ne, qu ne décèle qu'au travers euh, des, des techniques tout à fait particulières. Et l'irradiation, on est irradié par le rayonnement nucléaire. Donc, d'où les précautions qu'on prend pour n'être ni irradié, ni contaminé, mais au travers de tout ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il va se mettre un. Enfin C'est insupportable de travailler dans ces usines qui sont robotisées, qui sont euh, informatisées, où vous êtes constamment en train, euh, devant vos écrans, à dire. Euh, et que vous êtes obligé, et en même temps, que vous manipulez des, des produits extrêmement dangereux, et que vous euh, manipulez au travers des gants, au travers des, des vitres de. De plomb, etc. Mais il faut le faire. Et parfois, il y a des incidents et il faut aller euh, au plus près pour réparer une machine qui ne marche plus il faut entrer pour 15 secondes dans, dans, dans un lieu qui est euh, soumis à des rayonnements nucléaires. Donc, ça va être un peu contaminé, irradié et il vaut mieux être irradié que contaminé, parce que l'irradiation. Après tout, c'est des rayonnements. Vous allez pouvoir renaître comme une sorte de phénix, alors que la contamination, c'est de la pourriture. Vous allez, il va vous pénétrer à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas le voir et vous allez peu à peu pourrir. Donc, et, et toute cette façon dont ils ont de parler de la contamination et de l'irradiation, donc que j'ai mis euh, en lumière dans, dans leur façon de vivre, dans, dans, de, de, de travailler dans cette usine, eh bien. Bien entendu, on m'a dit que j'étais complètement folle, que j'inventais, et donc euh, c'était bien normal parce que j'étais une femme. Donc, euh, si vous voulez, il y a là aussi quelque chose qui a fait que quand il euh, y a eu le livre et que euh, le, et le film qui en a été tiré ensuite après qui est passé sur euh, à la télévision française, eh bien. Euh, on m'a interdit de revenir travailler à l'usine. Donc voilà comment, <laughs> si j'ai republié le, le bouquin que j'ai euh, publié à l'époque, parce que j'avais continué malgré tout à travailler sur le nucléaire, pas à l'usine, parce que pour, pour écrire mon premier livre, je suis allée à l'usine, j'ai demandé à travailler à l'usine, j'ai eu l'autorisation d'entrer de, dans l'usine pendant huit jours, d'y rester, pas plus, mais bon. Et, euh, et après, ils ont dit, si on avait su que vous alliez écrire ça, jamais on vous aurait autorisé à <laughs> entrer dans l'usine. Donc, tout ça est très difficile, mais je, je continuais à travailler sur, justement, au, avec les gens qui vivaient l'entour de l'usine, avec tout, avec tout ce qui se passait, avec... Il y eu Tchernobyl, en 86, après... Et puis après, quand il y a eu Fukushima, je dis il faut quand même que je que j'écrive, que je que j'arrive à à, à à faire comprendre pourquoi il y a eu pourquoi Fukushima, pourquoi tout ça Parce qu'il y a le déni du risque, parce que euh, et, et que il euh, y a le fait que personne ne veut croire que c'est risqué et que donc on ne va jamais euh, prendre toutes les précautions. Et que jamais on n'arrivera à prendre toutes les précautions pour que jamais aucun euh, accident n'arrive. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est cette façon de, de, de travailler, de, de, de restituer, un, euh, disons, une, une sorte d'état de, des lieux de, de ce qui se passe autour d'un établissement à haut risque. Euh, de, de révéler pourquoi on m'avait refusé de, de, de retourner travailler à l'usine, etc. Eh bien, euh, effectivement, euh, c'est insupportable pour, euh, pour tous ceux qui, euh, aussi bien pour les antinucléaires, parce que je leur dis qu'ils <laughs> ne font pas n'importe comment, il euh, n'y a pas de risque zéro et que ce n'est pas possible, etc. Que pour les pro-nucléaires qui disent que ici il n'y a pas de risque, que toutes les précautions sont prises et que euh, jamais euh, aucun incident ne, 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 ne se produira. Surtout qu'en euh, en, en poursuivant le, 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 la réflexion, si vous voulez, c'est de se dire qu'est-ce euh, bon, qu qui reste du nucléaire Le nucléaire, il reste les, euh, les déchets. Et c'est. Euh, ben, même si on, tout ce qui se passe dans cette usine de retraitement des déchets nucléaires, il reste des ultimes déchets que jamais on pourra retraiter. Et que ces ultimes déchets sont. Euh, il faut savoir quoi en faire. Et quoi en faire, c'est aujourd'hui ce qu'on cherche. Soit on les met dans l'usine, dans des puits euh, qui sont surveillés, euh, ventilés euh, jour et nuit. En espérant qu'il n'y aura pas de panne euh, d'électricité, pour pas que la ventilation euh, s'arrête, parce que ces, ces produits, s'ils si, euh, chauffent de trop, euh, une, une fusion nucléaire peut se mettre en, en place automatiquement. Et puis, il reste aussi euh, les, le, le, le plutonium qui est ce, ce produit qu'on qu n'arrive pas à... Bon, ça, le plutonium, on, on le met euh, encore ailleurs, c'est encore autre chose. Mais il reste des déchets ultimes que l'on va essayer de, de, de mettre au fin fond de, disons, de, de ces... Euh, sous-sol qu'on est en train de creuser dans la terre euh, chez nous à Bure, je sais pas, ailleurs aussi euh, je crois que les, les États-Unis n'ont pas décidé de, 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 de retraiter leurs leur, leur, euh, déchets nucléaires et qu'elles sont dans des piscines qui sont constamment ventilées euh, et, et refroidies, mais euh, en France donc on a décidé de, de de retraiter les déchets, de les répartir entre des déchets de moyenne activité, des déchets de petite activité, des déchets de longue activité. Et la longue activité, on va les mettre sous terre dans des, euh, soi-disant, des, des lieux où euh, géologiquement, euh, ils vont euh, euh, ne jamais ressortir. Mais de ça, on n'est pas très sûr. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on les enterre là pour des milliers d'années. Et comment garder la mémoire de ces lieux où on a enterré des déchets à haute activité Eh bien ça, on n'a pas encore trouvé le moyen mémotechnique de faire en sorte de se souvenir pendant des millions d'années là où on a enterré les déchets. Donc vous voyez que la mémoire, elle est difficilement... Euh, bon, enfin, en tous les cas, les anthropologues auront prévenu. J'aurais prévenu. Voilà, c'est effectivement cette, euh, toute cette histoire qui est extrêmement longue et, mais très intéressante parce qu'elle montre euh, qu'aujourd'hui on a encore des choses à dire sur justement la mémoire de l'histoire et la mémoire de ce que les hommes font.